Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver, donc Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député maire de Tourcoing et secrétaire général adjoint en charge des élections, donc à l'UMP. Essayons de décrypter la petite phrase qui termine l'entretien de Nicolas Sarkozy hier, quand il dit que personne ne doute de ma détermination, mais en même temps, au profit de ma famille politique, on se dit, il y va vraiment certainement, ou il y a encore un doute pour vous ? Je parle évidemment des primaires et de l'élection présidentielle. Alors moi, je pense que tant que ce n'est pas fait, tant que Nicolas Sarkozy n'a pas annoncé sa candidature à la primaire que nous organiserons en 2016... Je crois qu'il n'est pas certain que Nicolas Sarkozy se présente. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans le temps de la candidature, il est dans le temps de l'unité de la famille politique, qui était déjà un grand combat, puisque je rappelle, il y a encore quelques semaines, quelques mois, l'affaire Big Malion et l'affaire Copé-Fillon ont failli faire exploser l'UMP, notre famille politique. Et dans le temps de la préparation du projet, et l'interview du Figaro qu'il a donnée montre que nous travaillons. Ce matin, justement, vous avez lu dans les journaux, sur les tablettes, qui ne sont pas dans les kiosques, que beaucoup considèrent que le projet économique est, disons, timide, prudent. Par exemple, je vais donner un exemple sur les dépenses publiques, il dit 50% du PIB, mais il ne donne pas de chiffres comme Fillon, 150 milliards, Juppé, 100 milliards, la retraite, c'est 63 ans, les autres, c'est 65. Est-ce qu'il y a comment, une sorte de Sarkozy raisonnable qui serait dans le Figaro depuis hier? Tout d'abord, je trouve que Nicolas Sarkozy a raison dans son constat lorsqu'il dit que la CGT du livre bloque le fonctionnement de notre démocratie et le fonctionnement de la presse écrite. Dès le lendemain, il n'y a pas de journaux papier dans les kiosques. Et cette blague mise à part, je crois qu'il faut penser qu'aujourd'hui, on n'est pas au temps du projet du candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on est au temps du constat, le constat de ce que nous avons fait. Nicolas Sarkozy a rappelé qu'un certain nombre de propositions économiques qui avaient été faites par la droite a conduit à des réformes courageuses pour notre pays. Le constat de ce qui se passe avec François Hollande, c'est le déclin aggravé, 600 000 chômeurs supplémentaires, 40 milliards d'impôts supplémentaires, et quelles sont les premières pistes de travail sur lesquelles nous pouvons travailler. 35 heures. Il a expliqué dans le Figaro qu'il s'agisse de l'ISF, des 35 heures, du volet pro-entreprise, de la baisse des charges, ce sont les pistes de travail, ce n'est pas un programme sarkozyste. C'est pas son programme. Je ne le crois pas, dans la mesure où Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est le président de la famille politique et il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'on ne peut pas à la fois reprocher à la droite d'être dans la querelle entre les hommes et les femmes qui composent notre famille politique, d'être dans la revanche, d'être dans « je ne pose pas de questions sur notre bilan et sur ce que fait François Hollande » et dès qu'on essaye, comme le fait Nicolas Sarkozy, de poser ses idées sur du papier, parler aux Français, interpeller les médias et les commentateurs, de dire « ah ben finalement, il n'a pas encore son projet clé en main ». Non, parce que les autres en moins. Ne confondons non pas, mais les autres n'en ont pas forcément. Quand j'écoute, Fillon le connaît, le maire dit qu'à la fin de l'année, il en aura un. Oui, bah donc, je vais au bout de la question et après vous répondez évidemment le plus tranquillement possible. Est-ce que le risque n'est pas que finalement tous ceux qui sont candidats à la primaire finissent par avoir un programme, ce qui de facto supprime tout programme de l'UMP ? Guillaume Durand, je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle. Je suis secrétaire général adjoint du mouvement, le président du mouvement, et c'est tout à fait son droit, et c'est justement son devoir, doit faire travailler notre famille politique. La politique économique de notre pays, c'est la priorité des Français pour qu'ils retrouvent de l'emploi. On n'en est pas à discuter de savoir quel est le trait du crayon pour savoir le déficit, la baisse des impôts ou l'augmentation de la croissance. On en est, excusez-moi, à mettre tout le monde autour de la table pour savoir quelles sont nos priorités. Est-ce qu'on supprime ou non les 35 heures, grande bataille depuis au moins 7 ans. Nicolas Sarkozy dit « Donnons la liberté à chaque entreprise de faire des accords d'entreprise pour que nous puissions travailler sur la libéralisation du temps de travail. » Est-ce que, oui ou non, on modernise notre politique économique? Je crois que ce qu'a voulu dire aussi Nicolas Sarkozy depuis que je le vois à l'UMP, c'est sans doute, on reproche tous qu'il n'y ait pas de Gaulle au pouvoir, faut-il encore peut-être avoir Pompidou, c'est-à-dire une politique industrielle qui relance la croissance française, qui donne du travail aux ouvriers par la baisse des charges et la compétitivité. Donc vous réfutez l'idée qu'on trouve chez les commentateurs ce matin que le programme est finalement assez timide. Enfin, cet aspect du programme, qui n'est pas le sien, mais qui serait les bases de travail de l'UMP, tout ça serait assez timide ou déjà vu. Mais vous l'avez lu comme moi. Évidemment, parce que je n'ai pas l'impression depuis que je rencontre et que je soutiens Nicolas Sarkozy dans sa reconquête de l'UMP et de l'opinion, que la presse en général fait des titres extraordinaires sur ce qu'il fait. Pas simplement la presse Le Monde. Tout simplement. Figaro, Le Figaro, j'ai du mal à le comprendre puisqu'il y a une double page sur Nicolas Sarkozy. Ce que je constate, très franchement, c'est que nous sommes au travail.
et qu'on ne juge pas la copie d'un étudiant au moment où il commence à rédiger son introduction. Mmh. On juge lorsqu'il a rendu sa copie. Nous sommes au début du travail de l'UMP sous Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, nous changerons de parti dans quelques semaines. Nous allons organiser des conventions thématiques. Nathalie Kosciusko-Morizet organise avec Marc-Philippe Daubresse la convention sur le logement. Moi-même, avec Henri Guénaud, nous travaillons sur la question de l'islam et de la République. Et d'autres conventions arrivent, d'autres travaillent. Nous faisons des rencontres, encore aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, pour travailler sur cela. On ne peut pas, dès aujourd'hui, avoir clé en main, c'est n'avoir rien compris à la démocratie française, que de faire par décret un programme que les Français, pour l'instant, n'attendent pas encore. La fameuse formule FNPS, utilisée par Jean-François Copé ou d'autres, même Nadine Morano, est-ce que c'est vraiment la formule qui était nécessaire? Ah mais si vous voulez me faire dire, surtout moi qui suis dans une région où les socialistes n'ont laissé de la place qu'au Front National par leur magouille dans le bassin minier ou par leur système clientéliste, que le Front National est l'allié objectif du Parti Socialiste, je ne peux être que d'accord. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Parti Socialiste démontre son inaction et le fait qu'il préfère les dîners en ville aux dîners aux ouvriers? Ça donne Hénin Beaumont. Ça donne la victoire du Front National sur les ruines du Parti Socialiste et de la désespérance ouvrière. Et ça montre surtout... Il y a un glissement de l'électorat de gauche montre... vers le FN. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'FNPS... Oui, mais c'est pas, mais ils ne l'ont pas souhaité. C'est ce qui explique aussi leur faiblesse électorale. Est-ce qu'ils ne l'ont pas souhaité? Je crois que chez l'un de vos concurrents, j'ai dit que c'était Dupont et Dupont. Je ne suis pas très loin de penser que c'est Dupont avec un D et Dupont avec un T. En effet, lorsque M. Mitterrand crée la proportionnelle pour emmerder, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, la droite républicaine, c'est un calcul cynique. Lorsque, dans le Vaucluse, on laisse élire Mme Marion Maréchal-Le Pen parce qu'il y a des accords locaux du Parti Socialiste avec le Front National, je crois que c'est du calcul politique. Et lorsque l'on parle du droit de vote des étrangers aux élections locales, alors on sait très bien que la Constitution ne peut pas être changée, puisque le PS n'a pas les deux tiers du Congrès, c'est pour faire monter le Front National. Je crois que malheureusement, une grande partie... Est dans cette logique. François Hollande est un politicien de la 4ème République. Est-ce qu'il est encore dans cette logique? Bien sûr, bien le seul moyen... D'utiliser le Front National contre vous. Écoutez, M. Hollande n'a gagné que parce que Mme Le Pen a fait un combat personnel de la défaite de Nicolas Sarkozy. Ça va continuer. François Hollande ne gagnera sans doute, si jamais il doit gagner l'élection présidentielle, que si la droite connaît une telle concurrence vis-à-vis des idées, des propos, peut-être même des provocations du Front National, vis-à-vis des Français qui en ont légitimement marre de la politique que le socialiste mène. Question, puisque vous avez évoqué justement le Congrès, le changement de nom, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent pour savoir au fond à quoi ça pourrait ressembler, parce qu'évidemment l'avantage de changer de nom, c'est aussi de désamorcer l'un des slogans favoris du Front National, qui est le fameux donc UMPS. Alors quel non, nom on change pas de nom. Bah, ça permet quand on même. On change pas de nom que par rapport à ses adversaires. Ça veut dire déjà qu'on a intériorisé une défaite. On ne se définit pas par rapport aux autres. On se définit par rapport à soi-même. Quel nom et quand? Alors, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, vous l'inviterez sans doute et je suis sûr qu'il répondra à votre invitation. Après les élections départementales, il y aura un congrès fondateur et le nom importe pas grand-chose. Ce qui importe, ce sont les idées et l'organisation du parti. Ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, c'était un nouveau rassemblement, bien plus large que l'UMP, pour répondre à l'attente des Français. Pendant longtemps, on a dit que la droite... Par exemple, sur les réseaux sociaux, les Républicains, c'est mais vrai ça ou c'est faux? Pendant longtemps, la droite a été considérée vous comme... Vous m'entendez pas? Non, mais parce que j'en sais rien. Moi, je suis secrétaire général adjoint aux élections. Je m'occupe des élections départementales. Je m'occupe des élections régionales. Je m'occupe de préparer les prochaines élections législatives. Il y a d'autres personnes dans le parti, beaucoup plus légitimes que moi, qui s'occupent des nouveaux statuts, du nom. Et à la limite, ça m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est qu'on gagne les élections départementales. Ce qui m'intéresse, M. Durand, c'est que quand vous me dites qu'est-ce qui fait monter le Front National, je vous réponds Mme Taubira. Si vous pensez que Mme Taubira n'est pas un tract ambulant pour le Front National mis en avant par François Hollande, c'est que je pense qu'on n'a pas compris le cynisme du Parti Socialiste. Alain Juppé sur ce domaine, quand il est venu donc à une réunion de l'UMP, il a dit à chaque fois qu'on prononce le modem ou le nom Taubira, les gens qui sont partis dans Nicolas Sarkozy poussent des hurlements. Non, est-ce qu'on peut fonder une pensée politique pour sur un personnage? Pour le modem, je laisse ces propos à Alain Juppé. Je constate simplement que pour Mme Taubira, ce n'est pas simplement les partisans de Nicolas Sarkozy. Il ne faut vraiment jamais rencontrer les Français pour s'apercevoir que la politique pénale menée par Mme Taubira, c'est tout ce qui fait monter aujourd'hui le Front National. Mme Taubira est un tract pour le Front National, mis en avant par le candidat François Hollande. Et alors, quel personnage serait Manuel Valls qui passe son temps justement à aller sur le terrain contre le Front National? Il l'a dit, redit et encore dit. Mais M. Valls me fait penser au coq de Chanteclerc quand j'étais petit. Il pense que parce qu'il fait cocorico, il fait monter le soleil. M. Valls, malheureusement, peut-être qu'il a de bonnes intentions, mais il n'a pas de majorité qui le suive. Il est obligé de forcer l'Assemblée nationale alors qu'il a 330 députés de gauche pour faire voter la petite loi Macron. Il considère aujourd'hui qu'il faut réformer, mais aucune loi n'arrive sur la table de l'Assemblée nationale. Songez que cette semaine, nous discutons à l'Assemblée nationale des compétences des départements alors que les candidats au département ont déposé
leur candidature à la préfecture. On va discuter bientôt d'un projet sur l'architecture. J'ai entendu bien sûr qu'on allait parler de la petite enfance. Enfin, tous sont des sujets très intéressants, mais quand est-ce qu'on supprime les seuils dans les entreprises? Quand est-ce qu'on libéralise le travail? Je vais vous répondre l'exemple du Doubs. Il a été sur place, il a fait deux meetings, même s'ils ont été chahutés, et finalement le socialiste l'a emporté. C'est une blague. Le Doubs, la circonscription... Vous n'allez pas me dire qu'il ne l'a pas emporté. La circonscription... De leur point de vue, qui n'est pas le vôtre, ce qui est tout à fait normal, ils peuvent considérer que c'est la bonne stratégie. Monsieur Durand, la circonscription de M. Pierre Moscovici, qui a donné l'élection de M. Barbier à quelques voix près, a pas toujours été à gauche, mais l'une des meilleures circonscriptions de gauche de France. Très ouvrière, très ancrée au Parti Socialiste, la ville-centre, le sénateur-maire d'Audincourt la tient d'une main de fer. Je crois que la victoire du Parti Socialiste dans le Doubs annonce de très nombreuses défaites pour eux au départemental et au régional. Quand on vient justement à cette affaire de slogan, certains écrivent sur les tablettes ce matin, parce qu'il n'y a pas de journaux, que finalement... Grâce à la CGT du Livre. Oui, grâce à la CGT du Livre. Que finalement, c'est pas par des slogans, quels qu'ils soient, qu'on va pouvoir enrayer la montée du Front National, et Guillaume Tabar, tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique, rappelait que, en général, les sondages, qui sont ceux que vous lisez comme moi, sont toujours inférieurs concernant le Front National au score, justement, final, et ce, dans l'objectif des départementales. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une surprise à la hausse du Front National? C'est-à-dire non pas 30, 33, mais plus? Alors, de manière générale, je crois que les sondages, effectivement, ne donnent jamais la réalité des choses. Personnellement, je me suis présenté à plusieurs élections. Les sondages n'ont jamais gagné de pronostic. Et nous préférons, je préfère gagner les élections que les prévisions. De là à dire qu'il ne faut pas minimiser le score du Front National, vous avez raison. D'abord parce qu'il y a en France un mouvement de colère très important qui lie à la fois un électorat de droite déçu depuis fort longtemps et un électorat très déçu au moins depuis François Hollande. Et ces conjonctions des deux électorats qui désormais peuvent voter pour le Front National est très dangereux pour les partis de l'UMP et évidemment pour le Parti Socialiste. Et pour vaincre le Front National, il ne faut plus faire tout ce grand, je pense que vous avez raison. Il n'y a plus de leçons de moralité comme veulent faire croire les socialistes. Il n'y a que la preuve. La politique par la preuve. La politique par le terrain et par la preuve. Je crois que c'est pour cela que certains élus locaux résistent, y compris dans des coins difficiles pour la droite républicaine, lorsqu'ils sont des bons maires, par exemple, parce qu'ils peuvent montrer par la preuve que la politique peut faire quelque chose pour eux. Maintenant, il faudra un jour qu'on déconstruise ce qu'est le Front National. Ce que Nicolas Sarkozy a fait avant 2007. Oui. Et c'est l'ambiguïté qui a été soulignée par beaucoup pour la campagne électorale de 2012. C'est-à-dire, on s'est dit, d'un côté, les atures 2007, c'était alors, Jean-Marie Le Pen, et après, il a commencé, je le résume d'une manière caricaturale, à flirter avec les thèses du Front National, et du coup, le Front National a prospéré. Je ne pense pas que Nicolas, que Nicolas Sarkozy ait flirté avec les thèses du Front National. D'ailleurs, je crois que lorsque l'on dit qu'il faut avoir moins d'immigration et plus de sécurité, tous les partis politiques désormais le disent, y compris d'ailleurs le Parti Socialiste. Je crois que la question est la question du personnel politique. Dans l'essor du Front National, il y a l'impression pour les Français que les politiques ne les écoutent plus et profitent du système. Qu'est-ce qu'un candidat ou un élu du Front National? C'est quelqu'un qu'on ne voit jamais sur le terrain. Moi, je peux vous assurer qu'à Tourcoing, on change de candidat de Front National à chaque élection. Je n'ai jamais vu. C'est encore plus inquiétant. Je n'ai jamais vu. Rien à dire sur les départementales, c'est ce que vous dites. Mais et qui sont même pas bien sur sûr. Le terrain et qui font 35%. Bien sûr. Mais vous avez raison. Mais c'est pour ça qu'il faut le dire aussi, c'est que ce sont les Français reprochent aux politiques de pas être là. Les élus du Front National pour lesquels ils souhaitent voter ne sont jamais là. Et deuxièmement, ils profitent du système. Mais quel est le parti politique? Quelle est la famille politique qui profite le plus du système? Madame Le Pen à Bruxelles, ce sont les Thénardier. Tout le monde est parlementaire dans sa famille. Elle embauche tout le monde dans sa famille. Elle prend des prêts à l'étranger. Elle n'habite même pas la région Nord-Pas-de-Calais, puisque tout le monde sait qu'elle habite Saint-Cloud dans la maison familiale, ou je ne sais même pas encore si elle a déménagé, et elle cumule indemnités, prébendes et avantages. Madame Le Pen représente le système. Et un jour, il faudra quand même que les élus, de l'UMP notamment, puissent attaquer sur la moralité les élus du Front National. Dans ma ville de Tourcoing, qui compte beaucoup de difficultés, j'ai aussi voulu dire que oui, je veux cumuler les mandats pour avoir plus de pouvoir, mais j'ai refusé de cumuler les indemnités. J'ai refusé ma voiture avec mon chauffeur. J'ai refusé les frais de bouche. Le candidat du Parti Socialiste, comme le candidat du Front National, était évidemment là pour s'opposer à ce genre de réformes qui, je crois, sont importantes par la preuve pour montrer aux citoyens qu'on est là pour eux. Gérald Darmanin, donc député maire de Tourcoing, était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous. Merci. Formule consacrée. On va retrouver donc Hélène, je crois, sur LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Une bonne journée. Merci.